Mais ce qui meurt tout de suite, mais en même temps, c'est l'enfer qui s'appelle. Et quand on parle de l'enfer, c'est un vrai bon, c'est un feu qui va me brûler et puis c'est fini. Non, le feu de l'enfer. Pas que ça va te brûler, c'est vrai, tu vas te brûler et puis c'est fini. Non. Tu es dans le feu et tu es vivant en train de brûler. Le feu de l'enfer, ça dépasse tous les feux qu'il y a sur la terre. Et tu seras au milieu de ce feu et les démons vont te torturer. Ils vont te charcuter. Ils vont te torturer. Toi qui t'appuies avec ton sein sur la terre. En enfer. Les démons vont te torturer le sexe. Ils vont déchirer ton sexe. Et tu seras au milieu des pleurs. C'est ça la Bible parle de là où il y a des pleurs et des grincements de dents. En enfer, il n'y a pas de plaisir. Même le plus petit quartier de l'enfer, tu ne peux pas rester. C'est des pleurs. La Bible parle des vers de l'enfer. Les vers de l'enfer ne meurent point. Ces vers vont rentrer dans tes narines. Vont rentrer dans ta bouche. Sortis pas tes yeux. Rentrez dans tes oreilles. Quand tu es sur terre maintenant, si un cafard rentre dans ta bouche, mais en enfer, tu seras au milieu des vers, des cafards, des scorpions qui vont t'envahir et ils ne meurent point. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis? Le paradis ou l'enfer? Le paradis, c'est le meilleur endroit. C'est la meilleure destination que je peux te proposer, que je peux te souhaiter. Le paradis, la vie au paradis, c'est là où il y a la paix. Il y a la paix. Tu seras en paix. Et la paix même là, ça te dépasse. Et tu es en paix. Tu dors, tu es en paix. Tu es en éveil, tu es en paix. L'odeur du paradis. Le paradis a une odeur agréable. La climatisation du paradis. Ça dépasse même la climatisation des plantes. La température du paradis, c'est une température douce. Quand tu es dedans, tu sens une joie qui t'anime. Tu sens une paix qui t'anime. Et c'est une paix grandiose. Tu n'as jamais envie de quitter cette paix. La musique du paradis. Les mélodies du paradis. C'est les meilleures mélodies. Les chants du paradis. C'est les meilleurs. Tu vas te voir au milieu des anges avec leurs ailes. Il y a des anges qui ont 4 ailes. Il y a des anges qui ont 6 ailes. Et eux tous s'inclinent devant le roi des rois. Et ils sont tous habillés en blanc. Et vous allez les voir en train de faire des défilés avec des chants, avec leurs fanfares. Et ça chante acclamé pour le roi des rois. C'est cet endroit que moi je veux que tu ailles. Et tu vas aller au nom de Jésus. Mais tu dois marcher
selon la volonté de Dieu. Vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Si la voie est étroite, abandonnez la voie large. Quand nous parlons de voie large, voie large, voie large, quand nous parlons des écrits de la voie large, c'est les églises qui ne refusent rien. Les églises dans lesquelles tu ne vas jamais entendre parler de Dieu. Les églises dans lesquelles tu ne vas jamais entendre parler de sanctification. C'est les églises dans lesquelles, même si tu es nu, tu vas aller. Et quand vous êtes dans ces églises-là, votre âme n'est pas en sécurité. Si vous mourrez dans ces églises, votre âme sera capturée. Alors, vous devez choisir entre la voie large et la voie étroite. La voie étroite, c'est cette voie sur laquelle vous êtes. C'est la voie. C'est laquelle, quand vous marchez, vous vérifiez tout. Vous marquez un pas. Vous allez vérifier. Est-ce qu'il y a un trou là? Vous marquez le second pas. Vous allez vérifier. Ah, est-ce qu'il y a pas un piège là? Même pour vous habiller, vous allez vérifier. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une marque de Satan sur ça? Vous habillez, vous allez regarder. Ah, est-ce que ce que je peux porter, est-ce que c'est puissant? Est-ce qu'un chrétien peut porter ça? La voie étroite, c'est la voie sur laquelle, quand tu veux parler, tu vas tourner cette fois ta langue. Pour voir, est-ce que ce que je veux dire, ce que je veux sortir de ma bouche, est-ce que ça peut édifier? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous ne parlons pas avec paroles déshonnêtes. Nous devons sortir des paroles qui édifient. Donc le chrétien ne doit pas sortir des paroles déchues, des paroles de blasphème. Mais les paroles du chrétien doivent édifier. Donc la vie est sur la voie étroite. Mais avant de parler, tu vas méditer. Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que Dieu va agréer? La voie étroite. Si tu es sur la voie étroite, avant de sortir, tu pries. Seigneur, je veux sortir. Veille sur moi. Protège-moi. Veille sur mon âme. Conduis-moi sur le sentier de la sainteté. Maintiens-moi sur la voie de la sainteté. Et quand tu sors, quand on te provoque, tu évites de répondre aux provocations. Si tu es sur la voie étroite, tu sors. Et un homme te dit, mais c'est toi, j'appelle, non? Oh, c'est toi, tu vas lui répondre gentiment. Celui que tu appelles comme ça, il y a plus de 2000 ans qu'il est déjà mort sur la croix avec Jésus. Il n'est plus la prostituée que tu connaissais hier. Mais il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Marcher sur la voie étroite. Tout ce que tu veux faire, tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu invites le Saint-Esprit pour te conduire. Mais quand tu es sur la voie large, tu te réveilles. C'est à peine même que tu dis merci à Jésus. Tu fais ce que tu veux. Quand tu es sur la voie large, il n'y a pas de pardon.
nous stop. Il n'y a pas de feu tricolore. Tu files seulement à vivre à lui. Mais la destination, c'est la mort. C'est l'enfer. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Réponds-moi, qu'est-ce que tu choisis? Hein? La voie étroite. La voie qui mène au paradis. Acclamons pour Jésus. On s'élève au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges babillent partout le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Dans cette position, tu vas dire: Seigneur, entre la voie large et la voie étroite, je choisis la voie étroite. Seigneur, tiens-moi la main et conduis-moi sur cette voie étroite et conduis-moi jusqu'à la destination. Commence à prier maintenant au nom de Jésus.
Prie. Seigneur, j'ai choisi la voie étroite. Et je suis déterminé. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, fortifie-moi si je te vois. Seigneur, fortifie-moi. Malgré les persécutions, malgré les épines qu'il y a sur cette voie, malgré les difficultés, Seigneur, donne-moi de persévérer. Je ne veux jamais me détourner de cette voie. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, aide-moi sur cette voie. Continue de prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'il y a en moi, tout ce qu'il y a en moi, qui m'empêchera et qui m'empêchera, Seigneur, d'entrer dans la croix. Soit exposé, soit détruit maintenant.
Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Toi, homme fort dans ma vie, qui me pousse dans la colère, qui me pousse dans le passé impur, par le nom de Jésus, sors de ma vie. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Les liens sont rompus. Les liens de péché sont rompus. Les liens de péché qui m'ont enchaîné, qui me poussent en enfer. Aujourd'hui, les liens sont rompus. Les liens sont rompus. Mes chaînes sont tombées. Mes chaînes de péché sont tombées. Parce que Jésus m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Le lion de la tribu de Juda m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, merci. Tu me libères ton peuple. Ton peuple. Que tu as racheté à un prix élevé. Un prix élevé. Ça a coûté cher. Mais tu n'as pas regardé la chèreté. Et tu as payé le prix. La rançon. Que notre papa ne peut pas payer. Que notre maman ne peut pas payer. Que notre cher ami ne peut pas payer. Tu as payé. Et tu l'as payé. Et tu as dit, est-ce qu'il en reste? Tu as dit, tout est accompli. Toute la rançon a été payée. Pour le rachat des âmes de tes prévus. Alors, tu n'accepteras plus qu'il soit encore prisonnier du péché, prisonnier de l'iniquité. Alors aujourd'hui, tu les libères. Et leurs chaînes sont rompues. Tu effaces leur nom du livre de la mort. Les esprits de famille qui les détiennent encore, qui les maintiennent encore en captivité, ces esprits sont mis hors d'état de nuire. Seigneur, tous ceux qui ont reçu le 666 en ce lieu, par le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha, tu effaces de leur front maintenant. Tous les talons. Tu effaces de leur front. Tous les talons. La marque de l'enfer que Satan a posée sur leur front. Et tu l'effaces maintenant. Tu l'effaces maintenant. Tu l'effaces. Tu effaces le nom du livre de la mort. Tu effaces le nom du livre de l'enfer. Ceux qui sont, ceux dont les âmes sont enterrées, tu sors leurs âmes. Tu sors leurs âmes. Les âmes qui sont ligotées, enchaînées dans des cages. À l'instant où je prie, par le sang que tu as versé à ton contact, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, je proclame demain.
âmes sortent. Que leurs âmes sortent. Toi, homme fort. Toi, esprit méchant. Amen. Toi, esprit méchant. Toi, Goliath de l'œuvre. Qui les a pris en otage, qui les conduit dans le péché, parce que tu fais d'eux des esclaves. Je prie au nom de Jésus. La main de l'Éternel se jette sur toi et te frappe. Toi qui le maintiens en captivité, à l'instant où je prie, la main de l'Éternel te frappe. La main de l'Éternel te frappe. Tu lâches les armes. Tu lâches. 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 Qui es-tu? Zorobabel. Devant Zorobabel. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu es à planer maintenant. Tu es à planer maintenant. Le marteau de l'Éternel t'écrase. Et t'écrase maintenant. T'écrase. 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 Ceux-ci ne portent plus ta marque, mais ils portent le sceau de l'agneau de Dieu. Ils portent le sceau de l'agneau de Dieu. Ils portent le sceau de Jésus-Christ. Apôtre Paul pouvait dire que personne ne me fasse de la peine, car je porte la marque de Christ dans mon corps. Ceux-ci portent désormais la marque de Jésus-Christ. Alors, leurs noms sont effacés du livre de la sorcellerie. Leurs noms sont effacés du livre de Satan. Leurs noms sont effacés du livre de la malédiction. Leurs noms sont effacés du livre de ceux qui doivent aller en enfer. Et leurs noms sont désormais écrits dans le livre de vie. Leurs noms sont écrits désormais au ciel. Je prie que les saints de l'Éternel soient désormais leur quartier et les conduisent en toutes choses, et que le Saint-Esprit soit leur lumière qui les éclaire en toutes choses. Seigneur Jésus, Papa, je te prie encore, révèle à tes enfants l'état entier de leur ordre. S'il y a des taches sur leur ordre, Seigneur, je te prie, Papa, que ces taches soient effacées. Seigneur, qu'ils ne trouvent plus aucune tache sur leur robe. Aucune tache de péché sur leur robe. Aucune tache de l'ennemi dans leur vie. Que l'ennemi ne trouve plus rien pour les accuser. Mais que Seigneur Jésus, Papa, leur âme soit en sécurité. Que ta lumière brille dans leur vie. Seigneur, tu les équipes puissamment pour les préparer pour ton retour. Seigneur Jésus, par eux, le réveil va retentir dans les rues. Dans les rues d'Azovère, dans les rues de Précamé, de Tovicré, de Comé, de Locosa, de partout, Papa. Tu vas les utiliser puissamment pour libérer ceux qui sont encore enchaînés dans les ténèbres. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamé pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu de Dieu. Le petit moment. Exhortation, dédication, intercession, d'explication et autres. Je suis vraiment content d'être ici.
Ma joie est grande. Ma joie déborde. Alléluia. Et je vous prie vraiment de demeurer dans cette joie. Et notre Seigneur Jésus viendra nous chercher. Acclamé pour le roi. Alléluia. Jésus, yeah.
Est-ce que tu as la joie de Jésus? Oui. Dans ton cœur. Alléluia. Moi, j'ai toujours la joie de Jésus. Et du jour au lendemain, le Seigneur fait, le Saint-Jésus fait que la joie augmente. Amen. Amen. La joie augmente encore. Parce que quand j'étais dans la voie large, j'avais la joie. Mais quand même, la joie n'était pas parfaite. Alléluia. Amen. Puisque c'était difficile pour moi de tenir ma Bible comme ça, mais pour passer devant les païens pour aller à l'église. Amen. Amen. Maintenant, ici arrivé dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, si je prends ma Bible et que je sors du dessin au milieu de quel que soit le nom. Alléluia. Je ne sais pas comment les choses viennent hein, et la parole sort. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. Joyeux. Alléluia. Amen. Vraiment, peuple de Dieu, nous vous saluons et encore dans le précieux nom du nom Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir si les chaises sont là. Amen. Amen. Nous vous saluons encore dans le précieux nom du nom Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vu notre souffrance et a allumé ce feu. Amen. Et a allumé ce feu. Parce que moi, quand moi je témoigne, moi je dis, oh Seigneur Jésus, je te loue de ce que je fais partie de ce réveil. Amen. Amen. Je te loue de ce que je fais partie de ce réveil. Amen. Chaque fois si je me réveille, Seigneur Jésus, merci à toi de ce que tu m'as fait compter au réveil. Amen. Si je ne connais pas, ou si je ne connais pas la sainte doctrine, le coup Jésus est bien. Alléluia. Puisque c'est libéral, c'est puisque le mot libéral, on est libéré. Amen. 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 Gloire à Jésus. C'est pourquoi, si vous me voyez, les gens constatent toujours que je suis en joie. Mais à n'importe quel endroit, c'est ma joie, c'est lui. Puisque la joie est débordée. Amen. Le Seigneur a permis que par nous, par toi et par moi, le réveil aura lieu à son fait. Le réveil aura lieu dans le couffeau. Le réveil aura lieu dans le mono. Alléluia. Amen. Et complètement comme l'homme de Dieu vient de le dire. Amen. Ça a commencé petitement avec eux. Et maintenant, n'en parlons même plus. Le béni tout entier, comme vous le constatez, ainsi que le monde entier. Amen. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, France, Guinée, etc., etc., etc. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit de ma chose. Amen. Le feu va embrasser toute la ville d'Azovet. Et tout le département de Mono et Koufou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, je passe par ici pour dire merci à Jésus pour la vie de notre cher évangéliste qui utilise, donc il passe par son canal, alléluia, et il l'utilise puissamment pour le réveil, et nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa vie et de toute l'équipe, et Jésus revient, alléluia, et vraiment nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette rencontre, alléluia, pour cette soirée. Les gens ne savent pas que aujourd'hui, ils seront là, mais le Seigneur a permis que nous tous nous soyons là. Amen. Amen. Ceux qui ne seront pas là, et je vois déjà qu'ils sont peut-être connectés en direct. Alléluia. Donc, nous allons passer aux annonces. Amen. Pas beaucoup de choses à dire. Demain, comme nous le savons tous, que demain, c'est notre jour pour aller encore secourir la prison de l'ennemi. Comme le Seigneur a utilisé d'autres personnes et t'ont délivré. Alléluia, toi aussi, tu dois répondre à l'appel qui dit à l'effet de toutes les nations. Amen, on a fait de toi un disciple, toi tu feras d'un autre encore un disciple. Alléluia, donc demain, 16h, l'équipe Jésus revient encore à Zover présent pour aller encore sonner la trompette de la repentance, la sainte doctrine, oui, que nous, qui est mieux le pour nous. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, et le dimanche, voilà, le dimanche, c'est encore une autre phase. Alléluia. Le dimanche, il y a encore d'autres délégations du groupe Jésus revient depuis le siège des Koumbé là-bas qui vont encore descendre. Donc,
comme nous savons tous que oui, déjà 9h00 ça commence et les chants, les intercesseurs et les intercesseurs sont là. Et 9h45. Oui. Amen. 8h45. Alléluia. 8h45. Amen. Donc nous allons respecter tout et que tout sera fait par la croix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et je passe par ici et pour encore laisser le micro à l'évangéliste. Amen. Et je vais encore lui dire et des choses. Amen. Et sinon, concernant l'évolution des choses à Zobet, j'ai voulu que l'évangéliste prie le Seigneur pour la vie de cet bien-aimé qui apporte des choses dans la maison de Dieu. Et que depuis là, nous avons les baffes. Nous avons les baffes que nous utilisons. Nous avons les chaises disponibles. Et même aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, 8 autres feuilles de tôle est là. Wow. Alléluia. Attends Jésus. Attends Jésus. Alléluia. Et comme vous voyez déjà la cour ici, la cour est à notre disposition. Et c'est que la cour est pour nous. Amen. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Donc, beaucoup de choses, ceux qui apportent des choses, des nourritures dans la maison du Seigneur Jésus, et le Seigneur va dire, évangéliste, à prier, à les bénir aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia! Amen. Jésus! Amen. Nous allons prier, bénir le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu très très saint, Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, je veux te bénir. Papa, pour la vie de tes enfants qui ont reçu dans leur cœur d'apporter dans ce réveil, de semer dans ce réveil, ceux qui ont reçu dans leur cœur de payer de parfum pour l'évangélisation. Celui qui a reçu dans son cœur de payer des chaises pour que tes enfants s'assoient. Celui qui a reçu dans son cœur de payer des pupitres. Celui qui a reçu dans son cœur de payer des feuilles de tôle pour construire un abri pour tes brebis. Celui qui a apporté même un centime dans ce réveil à Azovin. Seigneur, je prie que cela soit inscrit dans le livre de vie au ciel, dans le livre de souvenirs au ciel. Amen. Et qu'il ne manque plus jamais sa bénédiction. Seigneur Jésus, papa, celui qui apporte avec joie reçoit la récompense au centuple. Alors tu récompenses tous ceux qui ont posé de telles actes pour ta maison. Il y en a d'autres qui se préparent. Ils sont en train de prier, demander, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse soutenir ta maison. Seigneur, je te prie, bénis-les maintenant. Ouvre les portes de grâce dans leur vie. Amen. Pour qu'ils puissent apporter pour soutenir ton œuvre. Amen. Seigneur, le champ est vaste. Je te prie de susciter des ouvriers pour Azovin. Amen. Seigneur, suscite de nouveaux ouvriers. Amen, amen. Pour que la récolte puisse se faire. Amen. Dans de bonnes conditions. Amen. Seigneur, tu connais ce qui manque à ton église. Ici à Zobé. Seigneur, accorde-leur, papa. Amen. Surtout, je veux des bénédictions spirituelles pour eux. Amen. Je veux que tu leur accordes des puissants dons de guérison. Amen. Des puissants dons de vision. Amen. Des puissants dons de guérison. Amen. De délivrance. Amen. Seigneur, merci. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Par à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vraiment, c'est un grand témoignage pour la présence des serviteurs ici. Quelle est notre prière, nos requêtes de prière, surtout le vendredi surpassé, qui se souvient. On avait prié que quoi? Que le Seigneur Jésus touche, bénit d'abord ceux-là dont il va utiliser pour
la construction de ce temple à Zobéi ici. Nous avons fait cette requête. Amen. Qui était là? Qui se souvient? Amen. Donc, nous avons fait cette requête. Et ainsi que nous avons dit aussi au Saint Jésus, qu'il touche le cœur de ses serviteurs et qu'il nous visite. Et que ses serviteurs se souviennent de nous. Que ses serviteurs se souviennent de la construction à Zobéi. Est-ce qui se souvient? Alléluia! Gloire à Jésus! Amen, Jésus! Alléluia! Amen! Est-ce que même hier vers 15 heures, est-ce que je savais que les serviteurs sont là aujourd'hui? Est-ce que je savais qu'ils seront là même le dimanche? Amen! Est-ce que moi, je savais qu'il y aura des feuilles de taux qui seront là aujourd'hui? Mais nous allons faire la prière. Vous voyez que le Saint Jésus exauce nos prières. Amen. 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 Donc, alléluia. Amen. Une grande un ami ici à Zobéi. Amen. Le Seigneur va susciter d'autres personnes qui vont encore. Alléluia. Se connecter au réveil. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, je viens pas fini. Et je laisse encore le micro à l'évangéliste. Et s'il y a encore un mot à nous dire, et il nous bénit également par la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Acclame Jésus, le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, je suis très touché par ce que je suis venu voir. J'ai vu que vraiment l'emplacement est vraiment très exigu et on est venu sous la pluie. Et vous n'avez pas pu rester dehors à cause de la pluie. Et par la grâce de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus, le chantier doit démarrer la semaine qui commence. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et moi, l'emplacement que moi j'ai vu, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est bon. Sinon, sur la cour, c'est pas bon. Mais oui, c'est l'autre côté que nous voilà. Faisons. Oui, c'est là. Voilà, l'autre côté là. Oui, oui. Ce serait très bon. Ici. Alléluia. Ce sera très bon. C'est facile. Le Seigneur va puissamment se manifester amen, ici. Amen, amen. Et de temps en temps, on viendra aussi se ressourcer ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour la première fois que je viens, mais. De nombreuses fois, je vais venir encore. Amen. Grâce de Dieu. Amen. Nous allons finir pour prier. On va se lever. Amen. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Dans le royaume. Seigneur, voilà tes brebis que tu m'as permis de visiter. Seigneur, dans la chair, ils sont peu, mais en esprit, ils sont une grande. Papa, je prie que cette joie déborde dans leur vie. Seigneur, ceux qui ont des problèmes de maladie parmi eux, je te prie de les guérir maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de guérison maintenant visite tes enfants, papa. Ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont dans des oppressions, Seigneur, je te prie, papa, que tu les libères, amen. Que tu les délivres. Amen. Seigneur, tu connais leurs besoins intimes. Seigneur, accorde-les, papa. Amen. Seigneur, la prochaine fois que je viendrai ici, papa, que ce ne soit pas dans ce salon, mais que ça soit, papa, sur l'abri, là où tu veux que. Seigneur Jésus, ton temple reste ici. Alors papa, je te confie le chantier. Envoie tes anges, Seigneur Jésus, pour démarrer le chantier et l'achever. Seigneur, tes serviteurs, en l'occurrence, le frère Paul et mon bien-aimé Clément, Seigneur, que tu utilises avec un zèle particulier. Seigneur, je te prie de les soutenir, de les protéger contre toute flèche de l'ennemi, toute missile que l'ennemi va lancer à leur encontre. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Seigneur, tu connais le besoin. Assiste-les, papa. Seigneur Jésus, je te confie ton peuple. Si la trompette sonne aujourd'hui,
Je veux que toutes tes brebis à sauver soient montées au ciel. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Voilà, merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Chant dans la lumière de Shalom, shalom, papa. Nous marchons. Tu salues et ton frère, tu dis shalom à ton frère, à ta soeur. Pour lui dire, que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te restaure complètement. Amen. Et te donne les nerfs. Lâchez pour sauter de joie. Amen. Au nom de Jésus. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Sans embêter, sans embêter.